je citerai seulement un document qui est révélateur de ses véritables intentions des Allemands dans la toute première période. Ce document porte le numéro 3 bis de notre documentation. Je le présente au tribunal. Il est particulièrement relatif à la Norvège. Il consiste dans la photocopie certifiée conforme d'un procès-verbal d'une conférence tenue à Oslo le 21 novembre 1940. Where shall we find it? Je viens de faire déposer ce document au tribunal et vous avez dans le livre qui vous a été remis le texte de l'extrait que je vais citer en français. Ce document est le procès-verbal d'une conférence tenue à Oslo sous la présidence du commissaire du Reich. J'indique au tribunal que nous présentons ce document comme particulièrement significatif parce que justement la Norvège est un pays qui a été occupé très tôt par les Allemands. La date du 21 novembre 1940 que vous voyez se rapporte au tout premier temps des occupations par les Allemands. Et d'ailleurs, dans le texte de la conférence, il est fait allusion à la situation des sept. Ceci explique que d'une façon générale, les Allemands n'ont pris qu'au bout d'un certain temps des mesures particulièrement brutales, telles que le déplacement et la mobilisation des travailleurs. Dans une première période, c'est-à-dire tant qu'il a existé dans les pays occupés des stocks et des matières premières, les Allemands avaient plutôt intérêt à utiliser la main-d'œuvre sur place, au moins dans une grande partie. Cette main-d'œuvre permettait de produire pour leur bénéfice, avec les richesses de ces pays, des produits finis dont ils s'emparaient. Par là, outre l'avantage moral de sauvegarder les apparences, ils évitaient le déplacement initial des matières premières. La considération des difficultés de transport a toujours été très importante dans l'économie de guerre allemande. Mais, lorsque, au bout d'un temps plus ou moins long, les pays occupés se sont trouvés appauvris de leurs matières premières et véritablement ruinés, à ce moment, les Allemands n'ont plus eu intérêt à laisser travailler la main-d'œuvre sur place. Il leur eût fallu en effet fournir eux-mêmes des matières premières et par conséquent assurer un double transport.